enfin l'heure de partir à Bali. Je suis trop excitée et voilà, c'est 3 semaines de voyage que je vais partager avec vous et aussi la création du guide. Donc je vais découvrir plein d'endroits et je suis trop excitée de faire tout ça avec vous. Voilà, bye. Je viens d'arriver à Bali dans mon premier hôtel. Donc je viens de prendre une douche, mes cheveux se mettent déjà en mode baliné avec l'humidité. Voilà, la chambre est toute simple, correcte, mais elle est surtout bien placée. Et alors c'est pas un endroit trop grand avec trop de chambres. Et puis hop, voilà le petit jardin avec la petite piscine. Je vais essayer de vous montrer ça un peu mieux. Voilà, donc ça c'est la vue depuis ma chambre, donc c'est plutôt pas mal. Et donc voilà pour la chambre, tout simple. Je me suis déjà à moitié installée, mais ça, ce sera pour une semaine. Et puis après, on verra si je décide de rester ici ou pas. Donc voilà, donc là maintenant, je vais aller me chercher une carte de téléphone. Et je vais aller faire un petit tour. Je viens de recevoir mon scooter, donc voilà, il doit être 18h. Mais je vais pas la faire super tard parce que j'ai quand même un peu le voyage dans la gueule, même si j'ai bien dormi dans l'avion, donc et comme ça puis je me mets dans le rythme tout de suite. Donc voilà, à toutes. Petit paradis sur terre. Alors là je suis pour le week-end à Uluwatu, donc c'est le sud de l'île et il y a des plages assez canons, donc là comme là on peut un peu voir, mais là il douche parce qu'on est quand même en saison des pluies, mais la mer est trop belle. Voilà, donc je suis venue faire un peu des photos et un peu visiter le sud de l'île parce que je n'étais jamais venue. Donc là je suis un peu protégée, mais il y a des grosses coupes qui tombent, donc je vais pas enregistrer pendant super longtemps, mais je voulais quand même vous montrer à quoi ça ressemblait. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc il y a des petites grottes et tout, c'est assez sympa. Voilà, et hop, je me recache parce que il pleut trop. C'est marrant. Bon, je viens de à moitié risquer ma vie pour aller faire des photos Instagram. Hein, voilà, vis ma vie de blogueuse. Et puis sinon là-bas, ici derrière, on voit Agung. Donc je suis toujours à Uluwatu. Et voilà, c'est un spot de photos. Il y a plein de gens qui font des photos de mariage. Et on est venu ici pour faire un peu des photos. Et puis qui on voit là-bas au bout? Et ben c'est Agung. Alors finalement, il n'a pas l'air tellement méchant que ça, non? Alors là, je suis sur une petite plage de dingue, où il y a des petites piscines naturelles. Je vais vous montrer si je me fais pas tremper. Voilà, comme ça. C'est trop mignon. Et c'est assez secret. C'est super beau. Voilà Laura. Et voilà, et c'est en bas de rocher. Comme ça, c'est juste super mignon. On est venu super tôt le matin. Donc il n'y a personne. Regardez cette vue. Voilà. Allez Lucie, de quoi? Oui hein. C'est mignon. Alors je suis toujours à Uluwatu et j'ai découvert un endroit magique hier, et donc je voulais un peu vous faire visiter. Donc ça s'appelle The Alchemist et c'est juste dinguissime, donc je vais vous faire un petit tour. Donc là on est dans la partie on va dire un peu jungle, où il y a certains des bungalows.
Là-bas, au bout, c'est le restaurant. Et voilà la piscine, endroit assez magique. Mmh.